Moi bon alors, un fusil à pompe Kalachnikov. Bon, qu'est-ce qui va pas avec cette arme-là? Mais, elle va pas? Mais putain de merde! On a tout pété? Stagiaire, qu'est-ce que tu m'as foutu avec cette putain d'arme? Bonjour. Mais t'es qui, toi? Qu'est-ce que tu fous, là? Bah, c'est pas une armurerie, ici. Ah, vous êtes un client! Ah, je suis vraiment désolé, on n'a vraiment pas l'habitude ici. Je comprends vraiment pas pourquoi d'ailleurs. T'es un stagiaire, tu manges ça avec les armes réparées? Ouais, alors en fait, j'aimerais avoir une arme de poing de défense. Je viens d'avoir mon autorisation. Qu'est-ce que vous me conseillez? Ah bah là, tout dépend de votre budget. Alors, j'ai un budget de 6 500 €. Je sais pas si ça va suffire, mais j'ai pas vraiment besoin d'un truc de fou non plus. Ah ben, pour ce prix-là, vous pouvez avoir un Tenfoglio Custom, un CZ75 Tactique, un PPK Match, le tout entièrement équipé pour du tir de compétition avec M-Point ou EOTech Nouvelle Génération, ou encore... Attendez, moi j'y connais absolument rien, donc je vais vous faire entièrement confiance, hein. Dans ce cas-là, je vous conseille l'extraordinaire et l'incroyable Desert Eagle en 17 HMR, fabriqué par la célèbre firme Norinco, avec un système de percuteur éjectable intégré et son incroyable chargeur de 5 cartouches. Il est pour vous pour seulement... 6 500 €, comme c'est incroyable les coïncidences. Je n'y connais rien en armes à feu, mais le Desert Eagle et Norinco, c'est pas un peu de la merde? Et le 17 HMR, c'est pas extrêmement pourri pour se défendre? Je me souviens qu'il y a un guignol sur YouTube là, qui en parle. Ouais, mais le Desert Eagle, c'est de la merde, et le 17 HMR, c'est tout pourri pour se défendre. Non mais attendez, vous croyez quoi là? Ça y est, c'est le Desert Eagle, c'est de la merde, donc c'est la pire arme du monde? Vous croyez quoi là, qu'il n'y a pas d'armes de merde, même chez les bonnes marques? Vous avez déjà entendu parler du Glock 44? Tout le monde lui a déjà chié dessus aux USA, et forcément ce guignol là, il en a même pas parlé. Attendez, nouvelle notification. Nouvelle vidéo, le Glock 44. Quelle incroyable et surprenante coïncidence pas du tout prévisible. Bon bah mettez-la, vous verrez bien que j'ai raison. Aujourd'hui on va parler de Glock. La gamme Glock n'est pour l'instant que très peu passée dans l'émission Armes de merde. J'avais pour l'instant juste évoqué le Glock pliable. Mais cette fois-ci, ça va être du lourd, car on va parler de la dernière arme de la gamme, le Glock 44 en 22 long rifle. Stagiaire, le générique, il est bon ou quoi? C'est bon, il est enfin prêt. Ok, bah vas-y, envoie. Bah, c'est vrai que le Glock pliant, je l'avais complètement oublié. Je dois en avoir un ou deux dans mon merdier. Il vaut, de mémoire, 6 500 €. Ça peut vous intéresser? Attendez, je veux voir ce générique. Putain, mais... Mais il est vraiment excellent, ce générique! Comme quoi, c'est pas si compliqué, tu vois? Ouais, t'as vu, hein, même pas 5 ans d'attente. Ouais. Bon bah, essaie de pas le perdre jusqu'à la prochaine fois, hein. Et bordel de merde. Ouais, bah, remets-toi en arrière. Non, bah, laissez tomber, on verra ça la prochaine fois. Bon, pour tester cette arme, je suis donc monté sur Paris. Salut à tous, je suis donc au stand de tir avec Tir National pour tester le Glock 44, histoire de voir si c'est vraiment une saloperie ou pas. Bon, alors déjà pour commencer, le poids est totalement ridicule, je sais pas combien de centaines de grammes il peut peser, mais c'est vraiment de la merde. Sérieusement, les nerfs de mes gosses sont plus lourds que ça. Ensuite, bah, esthétiquement, bah, c'est Glock, hein. Je veux dire, Glock c'est pas fait pour être joli. Comme je le dis souvent, Glock c'est bien... Mais c'est moche, là il est ni bien ni joli. Ensuite, pour tout ce qui est de la précision ou le plaisir de tirer avec, bon bah on va essayer ça. Sort de 10 et on va voir un petit peu niveau précision ce que ça donne. Mais il est super dur la détente, putain! Je m'attendais à bien pire que ça. Je vais réessayer, mais en tirant beaucoup plus calmement. Après, la détente est vachement dure, parce que moi, je suis habitué avec mon Glock 17, avec une détente modifiée à 1,2 kg. Elle est réglée à combien de base, celle-là? Les Glocks, c'est 2,5 kg. 2,5 kg? Ah putain! Tu m'étonnes que moi, avec 1,2 kg, ça se passe pas pareil. Bon, c'est juste une question d'habitude. On va... Voilà. Ouais, bon, évidemment, hein. Alors j'ai beaucoup plus pris mon temps pour tirer, par contre ça a beaucoup plus dispersé, va savoir. Je sais pas, la première fois j'ai arrosé comme un débile,
C'était bon, c'était centré, ça allait. Là, j'ai bien pris mon temps, il y en a... C'est la chance du débutant. Ah, c'est de la merde. Donc aujourd'hui, on va parler du Glock 44. Comme vous le savez peut-être déjà, je ne suis pas vraiment fan des armes de poing en calibre 22 long rifle. Que les stands de tir en aient un ou deux pour faire de l'initiation ou bien de la compétition, ok, pourquoi pas. Mais qu'un tireur veuille en acheter un pour se faire plaisir au stand, qu'on m'explique. J'ai connu plusieurs personnes qui avaient acheté des 16Z75 en 22 long rifle. Et ils m'ont tous dit qu'au bout de quelques temps, c'est chiant. Mais putain, qu'est-ce que c'est chiant, bordel de merde. Plus précisément, on est sur un niveau de level 7 sur l'échelle de qu'est-ce qu'on s'emmerde. En passant, pour vous donner une idée de ce que c'est que l'échelle de qu'est-ce qu'on s'emmerde, je vais vous l'imager. Alors ça, c'est le level 10. Cette compétition est incroyable en termes de rebondissement. Le tireur vient de toucher le 8 au lieu du 10. Un manque de concentration inadmissible et très punitive. Le recul de son pistolet à plomb a sans doute endommagé son poignet artificiel. Et il sera donc très difficile pour lui de rattraper les 3 points qu'il a besoin pour se hisser sur le podium. Il va tirer. Tout le monde retient son souffle et... Non, il pose son arme et va faire une pause de quelques minutes. On passe sur une vidéo de ma grand-mère faisant du tricot pour éviter que les téléspectateurs s'ennuient pendant ce temps. Et ça, c'est le level 1. Mon colonel, les chants ont passé le pont, ils viennent vers nous. Ta mitrailleuse à lardon est prête, John? Oui, mon colonel, mais on va avoir besoin de renfort. On va devoir appeler l'artillerie pour une canadaire de Quen. Non, John, c'est une arme chimique, l'ONU nous la refusera. Ils préfèrent qu'on se fasse enrichir culturellement. Mon colonel, derrière vous, les chants arrivent. Oh putain! Bref, c'est clairement pas une arme pour le fun, vous allez très vite vous faire chier avec ça. C'est une arme pour quelqu'un qui veut toucher une arme, mais sans avoir les sensations d'une arme. En gros, faire du tir avec toutes les contraintes d'un stand, et sans le plaisir de tirer avec autre chose que l'équivalent d'un nerf. Bon, dans ce cas, elle est faite pour du tir de précision. S'amuser à faire du score, de la compétition, tout ça. Non, la fiabilité est aux fraises, car là on est avec des cartouches à bourrelet, pas du tout adaptées pour le tir semi-automatique. Et surtout, si vous gardez une bonne position de main, la cartouche n'aura pas assez de recul pour cycler l'arme. Donc la précision est moins pire que ce que je croyais, il y a eu beaucoup d'incidents de tir parce que quand on prend une arme correctement, on la prend assez haut et on force suffisamment. Et malheureusement, si vous prenez la glissière assez haut, suffisamment haut, pour être suffisamment précis, bah ça la bloque parce que le ressort n'est pas assez puissant pour ramener malgré que vous appuyez comme un débile dessus. Merde! Putain, c'est quoi cette saloperie? Putain, mais... Non, sérieusement. Et conduira donc à un incident de tir. Contrairement au 16Z75 en 22 long rifle, où il n'y a qu'une petite partie de la glissière qui recule. Donc vous ne pouvez pas la bloquer avec le pouce, même en le faisant exprès. Contrairement au Glock 44, où là, c'est très facile. Oui, car en fait, vous devez utiliser des munitions suffisamment puissantes pour cycler l'arme correctement. Sinon, incident de tir, donc le tir de compétition, vous oubliez direct. Ok, on essaye avec des balles Stinger, donc haute vélocité. Putain! Elle a été percutée. Elle avait juste pas envie. C'est mieux déjà. Déjà, c'est un peu mieux. Niveau sensation, putain, mais pourquoi la culasse reste pas en arrière, bordel? C'est presque bien. Mais à ce compte-là, la Stinger coûte à peu près le prix de la 9 mm. Achetez de la 9 mm, faites pas chier. Ce qu'ont compris beaucoup de fabricants quand ils fabriquent des armes de poing en 22 long rifle. Mais pas Glock, qui ont juste fabriqué un Glock 19, pièce pour pièce, mais en 22 long rifle. Ce qui est complètement con. Comme par exemple Ruger, avec son très célèbre et très bon Ruger Mac 3. Hé, dans l'ordi, je viens de trouver un test du Ruger Mac 4. Je le mets ou pas? Ah ouais. Ben, je m'en souviens plus. Ouais, vas-y, envoie. Donc on va essayer avec une arme que j'apprécie beaucoup, une Ruger. Une Ruger Mac 4. Donc pareil, c'est une... Un pistolet en 22 long rifle. La grosse différence, c'est qu'il n'y a pas de glissière. La culasse est à l'intérieur. Donc, si vous prenez l'arme correctement, vous ne bloquez pas de glissière parce qu'il n'y en a pas. Tout est à l'intérieur. Donc, déjà, d'un point de vue de fiabilité, ça n'a plus rien à voir. Donc, Ruger Mark 4. Putain, elle a de la gueule cette arme. C'est sérieux, elle est magnifique. J'aime. Bon, par contre, la prise en main, elle est à chier. Alors c'est pas non plus une bonne arme, hein, faut arrêter de déconner, mais au moins, elle est belle. Voilà,
Si vous devez acheter une arme de merde, genre une balle de long rifle en pistolet, achetez au moins une belle arme. Un truc joli, quoi. Putain ! Bon, les incidents de tir, c'est encore plus fréquent. L'ergonomie est absolument pétée. La prise en main est vraiment pas géniale, mais elle est très belle. Donc largement mieux que le Glock 44. Ah ouais, c'est vrai. Ça me rappelle quelque chose maintenant. Mais c'est quoi cette mauvaise foi? Comment il peut dire que l'arme est mauvaise alors que le flingue est joli? Non mais cherchez pas, c'est genre à critiquer une arme comme le Type 22 juste parce qu'elle ne fonctionne pas. Sinon, sur ma vidéo sur les revolvers en veine de long rifle, je disais que la capacité d'un barillet c'était de la merde, entre 6 et 10 cartouches. Donc au moins pour ça, valait mieux passer sur une arme de poing pour une meilleure capacité. Ouais? Ben non. Oui? Ben non. Là on est sur des chargeurs de 10 cartouches seulement, donc pareil. Et pour ceux qui vont me dire... Le chargement est bien plus rapide sur un pistolet. Déjà 40€ par chargeur supplémentaire et seulement si vous réussissez à le trouver, allez vous faire foutre. Et de plus, recharger rapidement, pour quoi faire? Qui va se servir d'un pistolet en 22 long rifle pour de la défense personnelle ou du combat? Mais attendez, le Desert Eagle que vous voulez me vendre, c'est pas comme une 22 long rifle? Non mais c'est pas pareil, ça a rien à voir. Ça, c'est une arme antimatérielle. Ça arrête un camion bélier, ça quand même. Pistolet en 22 long rifle était beaucoup utilisé pour les assassinats. Ouais, ça c'était le siècle dernier, on a fait quelques progrès en munitions depuis. Dans le meilleur des cas, des chargeurs de 15 devraient arriver normalement un jour ou l'autre. Quand tout le monde aura ses chargeurs de 10, j'imagine. Bah j'ai envie de dire, prenez votre temps, hein. C'est vrai que ça a l'air très difficile à concevoir. Personne n'a jamais conçu de chargeur haute capacité jusque là. Et surtout pas l'intégralité de vos concurrents. Bande de feignasses. Bon, cette arme a quelques petits défauts, en effet. Mais la question à se poser est celle-là. Pour qui cette arme est-elle destinée? Pour certains, elle est bien pour s'entraîner à pas cher avec un Glock 19. Sauf que, déjà, le poids de base n'est vraiment pas le même. Le poids du machin, quoi. Ouais. C'est un jouet, c'est clairement un jouet. Surtout maintenant avec cette culasse là, quoi. Le recul n'a rien à voir, là on est au niveau d'un airsoft. La culasse oublie régulièrement de rester ouverte en fin de chargeur. Pourquoi elle reste pas en arrière la culasse? Les incidents de tir fréquents. Putain! Mais c'est quoi cette merde? Vous n'avez pas le droit d'utiliser des holsters dans les stands de tir, donc pour du tir tactique ou de défense, c'est mort, contrairement à l'entraînement avec des répliques d'armes. Et... à pas cher? Le prix de base de la 9mm est clairement supérieur, le double, voire le triple. Mais l'arme coûte 600€, bordel! Imaginez à partir de combien de munitions ça commence à être rentable. Et encore une fois, rentable au détriment de toutes les contraintes du fait de tirer avec une arme qui n'a rien à voir avec un Glock 19. Ensuite, pour ceux qui voudraient une arme de défense. Est-ce qu'il faut vraiment que je répète à quel point c'est une idée de merde? Pour de l'entraînement tactique avec des armes à feu, juste non. Pour de l'entraînement tactique aux armes à feu, le mieux reste des répliques pour le maniement et son utilisation avec plastron, le tout avec holster et tir en mouvement utilisable de manière légale. Oui, je parle de manière légale, mais de toute façon, même sans parler de légalité, l'entraînement au combat à balles réelles ne sera jamais aussi réaliste que l'entraînement avec des répliques. Je le répète, un bon entraînement au combat réaliste, ce n'est pas possible avec des vraies armes à feu. J'ai déjà fait une vidéo sur les systèmes d'entraînement tactique. Et ensuite, à côté de ça, en plus de l'entraînement aux répliques, de la balle réelle 9mm pour apprendre à gérer le recul et le changement rapide de cible. Où là, le tir sur gong sera parfait. Là, avec un Glock 22, vous cumulez tous les défauts de ces deux systèmes d'entraînement. Pas de bruit, pas de recul, incident de tir, pas de holster, pas de déplacement, pas de possibilité de s'entraîner chez soi. Bon, ça se tient quand même, hein. Ouais, c'est pas si mal, hein. De toute façon, bah, c'est de la 22, il n'y a pas de recul. On va pas dire, tiens, t'as tiré rapidement, c'est précis. Bah ouais, c'est de la 22. C'est pas comme si c'était une bonne munition non plus. Ah. Bon, ce que je viens de faire là, c'est un tir rapide et c'est vrai que c'est plutôt bien centré. Mais c'est de la 22 long rifle quoi. Les mecs qui disent tiens, je vais m'entraîner au 9mm avec de la 22 parce que ça coûte pas cher, jamais vous pourrez faire ça. Là, c'est de la 22 long rifle, il n'y a aucun recul, donc il n'y a aucun relevé de canon, donc on peut se permettre de faire ça. Mais n'importe quelle autre munition et une bonne munition, vous pouvez jamais faire ça. Sérieusement, cette arme, elle est faite pour deux types de personnes. Les stands de tir qui veulent faire de l'initiation sans faire fuir Jean-Edouard qui ne voudra pas se casser un ongle en tirant avec du 500 Magnum. Et les armuriers en paille à moitié arnaqueur qui ont besoin d'un comparatif pour vendre leur fond d'armes pourri. C'est inadmissible ce genre de personnes, non? Putain, ouais. Les formateurs de stands de tir qui favorisent le 22 long rifle au 500 Magnum, perso, moi ça me dégoûte. Ouais. Bref, arme à chier. Les forums américains n'ont pas autant craché sur une arme de merde à ce point-là depuis...
La cinquième génération de Glock, qui était clairement une insulte au bon sens. Mais bon, rentable auprès des fans de Glock, donc faut pas espérer que ça change. Bah vous voyez bien que j'ai raison, faut arrêter de critiquer les armes pourries, y'a toujours pire dans le monde. Bon. Sinon, à un moment, il dit que l'arme coûte cher à 600 euros. Il parlait de quoi? Non, pas du tout, c'est des euros canadiens dont il parle, là. Le taux de change n'est absolument pas le même, ça représente beaucoup plus en fait. Bon bah ok, vendu. Et voilà, fin de la transaction, cassez-vous. Wow, doucement avec le générique de fin, j'ai pas fini là. J'aimerais remercier tous ceux qui ont participé à la vidéo. Déjà le caméraman et Clapper qui sont venus tourner au magasin, et Travis qui a joué le client. Également le magasin d'Airsoft, Airsoft Aerograph Custom, qui m'a encore prêté sa boutique pour tourner. Ça se passe à Sainte et en description pour ceux que ça intéresse. Et bien sûr, gros remerciement au stand de tir de Wissou, qui m'a permis de venir tirer chez lui et qui m'a surtout prêté un Glock 44, donc sans qui cette vidéo n'aurait pas pu se faire. Merci aussi au youtubeur Tir National qui a organisé cette rencontre, en tapant genre 10 heures de route aller-retour pour venir à ce stand. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle aura été particulièrement casse-couille et coûteuse à produire. Si vous préférez ce style-là au format plus classique, faites-le moi savoir en commentaire. Et je verrai pour rester dans ce style-là de temps en temps. Voilà, maintenant vous pouvez vous casser. Je connais pas la ville de Wissou. Ça doit être un petit village de campagne, sans histoire, c'est ça? Ouais, sûrement. On s'en fout. Remettez la vidéo plutôt. Non, ça c'est l'actu. Mettez la vidéo plutôt.